Est-ce vraiment un péché? Il est temps que DJ Rafa Music rapidement se mette en place. Mais sincèrement, je suis bluffé. Bluffé, c'est le mot. Non, en tout cas, j'ai pas beaucoup de choses à dire. C'était juste les risques qu'ils prennent là. C'était parfait, au fait. Magnifique. Blaira. Moi, je dirais plutôt c'était... C'était très magnifique. J'ai beaucoup aimé l'occupation de la scène, surtout ça. Ok. Et vraiment, les gars, félicitations. Vous avez tapé très fort. La compétition est entre les Warriors et les... Ce soir, dames et messieurs, le groupe qui repartira avec 2000 dollars américains. Une production signée Happy People, yeah, qui gagne ce challenge, yeah, DJ and Dancers, yeah, Challenge, c'est le groupe The Power Gospel! S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît.
Bandeko, oh, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ok. On les applaudit. Nous allons inviter Maman Dena. Nous allons inviter Madame Dena pour remettre le chèque, pour remettre l'enveloppe, la cagnotte de 2000 dollars américains. DJ Raphaël, ainsi que le responsable du groupe. Bandeko, bonjour à moi, Sima. Ok, s'il vous plaît. Nous allons symboliquement remettre la cagnotte de 2000 dollars américains à DJ Raphaël and the Power Gospel qui ont remporté cette première édition du DJ and Dancers Challenge. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. On se retrouve prochainement pour la deuxième édition. Merci à vous. Portez-vous bien. Bonne soirée. Au revoir. Merci.